Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui, nous allons jouer avec ce jeu de pâte à modeler Play-Doh, le cornet de glace, et aussi avec trois couleurs spéciales glace. Donc, ouvrons la boîte et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce cornet. Il y a deux petits cornets, un piston pour faire la glace à l'italienne, une petite cuillère, une pâte Play-Doh Plus, une pâte rose, une cuillère à glace pour faire les boules, un rouleau pour faire les cornets de glace, et il y a un pot de pâte à modeler spécial couleur glace avec des confettis. Il y a de nombreux moulages sur cette boîte. Devant, il y en a derrière et il y en a également sous la boîte. Voilà, il y a des croissants, des bonbons et d'autres moulages. Et voici les trois pots de pâte à modeler de couleur spéciale que nous avons également. Alors, on a de la pâte à modeler à la fraise avec des confettis, à la vanille aussi avec des confettis, et ça c'est un pot un peu plus grand que celui en fait qui vient déjà dans le cornet de glace. C'est exactement la même pâte. Et il y a également un autre pot de pâte à modeler à la vanille, toute simple. Donc nous allons faire maintenant notre première glace. Et ça sera une glace à la fraise. Nous allons maintenant utiliser certaines des décorations qui sont sous le cornet de glace, et par exemple ce croissant. Et voilà, notre première glace est prête. Voici toutes les décorations qu'on peut faire avec les moulages, des pretzels, des croissants, des petits donuts, des nounours en chocolat. On va utiliser toutes ces décorations pour nos glaces. Maintenant, nous allons faire la deuxième glace à la menthe aux pépites de chocolat. Il est temps maintenant de mettre la crème fouettée par-dessus et on va la mettre sur toute la surface de notre boule de glace. Et voilà, nous allons maintenant ajouter quelques décorations. Et voilà ce que ça donne. Notre glace a l'air absolument appétissante et savoureuse, avec son nounours en chocolat, sa gaufre et son bonbon. Il est temps maintenant de faire notre prochaine glace et nous allons utiliser de la pâte à modeler en couleur mauve aux pépites de chocolat. Et voilà notre cornet de glace avec ses décorations délicieuses est prêt à être dégusté. Nous allons maintenant faire la prochaine crème glacée et ce sera une glace à la vanille.
Et voilà, elle a l'air absolument appétissante et exquise. Il est temps maintenant de faire notre prochaine glace, un autre cornet de glace à la menthe aux pépites de chocolat. Et voilà, notre petit cornet de glace à la menthe est prêt. Nous allons maintenant faire un grand cornet de glace avec la pâte à modeler marron et ce rouleau. Et voilà ce que ça donne. Il a l'air vraiment réel, ce cornet. Nous allons maintenant lui rajouter de la pâte à la vanille à l'intérieur. Cette glace a l'air vraiment plus vraie que nature. Nous allons maintenant rajouter la dernière touche avec les décorations. Et voilà notre crème glacée à l'italienne avec ses petites décorations en forme de bonbon est prête. Nous allons maintenant faire notre dernière glace. Et voilà, il ne reste plus qu'à ajouter quelques petites décorations pour compléter cette glace. Et voilà notre crème glacée à la vanille à l'italienne avec des croissants, des pretzels et des petits donuts en chocolat est prête. Et voici toutes les créations que nous avons pu faire avec ce kit de pâte à modeler Pledo, le cornet de glace. On peut vraiment faire beaucoup de types de crème glacée. N'oubliez pas que c'est de la pâte à modeler et que même si elle a l'air plus vraie que nature, on ne peut pas la manger. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré en français.